முத்துவேல் பாண்டியன் ஏதாம் புலிசியே அலரத்ரே கிவி த கோடம்பாக்கம் அவெக்சாபவி ருஃபீஸ் து முத்துவேல் ஏசிபி அர்ஜுன் ஆங்க்வெத் சு வர்மா அங்காங்ஸ்டர் மலையாளி எக்ஸன்ட்ரிஸ் கிப்பே பசே கிளான் தி சீன்ஸ்மோட் தி இடியோல் தி தியூ ஏழு Elle vient à des assistants à l'étranger, opérant depuis sa base d'opération à Arakonam. Arjun confronte l'homme de main de Varman. Si nous, il lui demande où se trouve Varman. Alors, puis Arjun se rapproche de l'arrestation de Varman. Il disparaît soudainement et le service de police fait savoir qu'il s'est peut être suicidé. Pour dissimuler le fait qu'il a probablement été tué par Varman. Pleurant la perte de son fils et des reproches en partie d'avoir élève de manière honnête et intrépide, Mutuel s'emprête à Sinu et l'assassine. Ce déplacement du corps avec l'aide du Vimal, un chauffeur de taxi local. Les hommes de Varman tendent à l'attaquer. Le petit-fils de Mutuel, Ritwik. Bien que Mutuel ait convaincu Varman de laisser tranquille lui et sa famille. Enragé, Mutuel décide de reposer et rend visite à Narasimha, un criminel réformé vivant en Madhya. Puis le prêtre 4 de ses tireurs d'élite, avec l'aide d'hommes de Des hommes de Narasimha, Mutuel fait chanter le Vimile Varman, puis demande ensuite à un gangster Bihari Kamdev d'envoyer des gens tués. Mutuel et sa famille chez lui seulement pour qu'ils soient abattus. Après avoir découvert que sa cible de Varman était Mutuel, Kamdev lui révèle que Mutuel était autrefois le geôlier employable et charismatique de la prison de Tihar, également connu sous le nom de Tigre Mutuel Pandien. Il a sévèrement discipliné les criminels, mais les a également aidés à se réformer, gagnant ainsi un réseau d'alliés, dont Kamdev. Mutuel commence vraiment dans sa base, mais il lui révèle qu'Arjun est toujours en vie et menace de le tuer. Tous deux parviennent finalement à un compromis. Varma libérera Arjun et songe qu'une célèbre couronne antique actuellement en sécurité dans le temple de Malagiri, Andhra Pradesh. Mutuel planifie un braquage impliquant les acteurs Telugu, place Morgan, puis l'administrateur du temple où détenu la couronne, malgré diverses tromperies et avec aide d'un passeur à Mumbai, nommé Mathieu. Mutuel est finalement en possession de la couronne et la renvoie à Varma. Mais il y est révélé plus tard que la couronne qu'il a envoyée était une fausse. Varma libère Arjun qui se révèle être un sale flic qui était participé aux opérations de Varma, prêt à tuer son propre père pour l'argent. Cependant, la fausse couronne cache également une caméra cassée et toute la conversation est enregistrée. Et vous parlez Mutuel. Mutuel attaque la cachette de Varma avec Kamdev, Vimal et ses alliés. Tuant Varma à ses hommes, tandis que Narasimha protège la famille de Mutuel et Mathieu détruit les oppressions de contrebande de Varma. Mutuel donne à Arjun une dernière chance de se rendre compagnon. Il refuse étant de le tuer. Il est à la place abattu par les hommes de Narasimha, tandis que Mutuel sonne solennellement.